Bonjour à tous, nous sommes repartis aujourd'hui pour un bon tour de VTT. Après deux semaines de pluie incessante pratiquement, avec des petites inondations même, le terrain s'annonce gras et bien glissant, va falloir se méfier. Je commence à être dans le dur. Je vais tenter de baisser un peu le rythme, le temps de me refaire la cerise, car le parcours que j'ai prévu est loin d'être terminé. C'est dommage. Un beau petit sentier qui est entre les sapins. Bon, quand tout ça sera dégagé, ça ne nous empêchera pas de l'emprunter, j'imagine. Ça serait quand même bien qu'il fasse attention à ne pas encombrer les chemins, si possible. Bon, on repassera quand ça sera dégagé. Je viens de me faire avoir par une flaque d'eau beaucoup plus profonde que ce que je pensais. Enfin, surtout qu'elle est pleine de sable. Heureusement, je suis pas tombé dedans. Ouhou. Bon, vous croyez que ça se tente? Ça n'a pas l'air très profond. Un peu quand même. Bon, j'ai pas le choix. Allez, on essaye. Ah, vache. Bon, bah ça l'a fait quand même. Ah, c'est bien galère. J'aime pas ce genre de terrain où il n'y a aucun rendement. Ça fait mal aux pattes et on n'avance pas. Bon, ben voilà.
Oh la vache. Ah, grosse erreur de ma part. Je pensais pas que c'était si profond. Je l'ai déjà passé plusieurs fois. Je suis trempé. Je me suis fait mal au coude, que je m'étais cassé il y a 2 ans. Pas cool, pas cool, pas cool. Bon, ça devrait aller, mais je suis trempé. Je vais être congelé dans peu de temps. J'espère que le vélo n'a pas trop de mal. Bon, je sais où je suis. Je connais l'endroit. Comme je vous ai dit, j'avais déjà passé ce ruisseau plusieurs fois avant. Ah, faut que j'avertisse ma femme que tout va bien. C'est la détection d'accident du Garmin qui est en train de sonner. Bon, je vais vous laisser là pour l'instant. Le temps de faire un peu le point. À bientôt. J'avais hésité à prendre ce petit pont quand je suis arrivé sur l'endroit. Mais j'ai eu peur de glisser sur le bois. Donc j'ai pris le ruisseau. Bon, bah vous avez vu, c'était peut-être pas la bonne option. A priori, j'ai juste la roue avant qui est légèrement voilée. Sinon, pas plus de mal que ça. Moi, pour l'instant, ça va, à part que je suis trempé. Donc je vais rejoindre la route la plus proche et je vais rentrer me réchauffer.